Salut les bandits, ici Wastog. Aujourd'hui on se trouve pour discuter de la roadmap 2019 de Battlefield 5. On avait déjà une roadmap jusqu'en mars, jusqu'à la sortie du Battle Royale. La nouvelle roadmap est arrivée au programme, pas mal de nouveautés. Alors on va parler de tout ça en détail, on a une roadmap détaillée jusqu'à la rentrée en automne où on aura un nouveau chapitre qui est pour l'instant teasé. Alors pour le chapitre 3, Trial by Fire, qui commence le 28 mars, on a tout d'abord le mode Battle Royale qui arrivera non pas le 28 mais le 25. Je ne vais pas m'attarder dessus, j'ai déjà fait une vidéo où je vous présentais tout le contenu que j'avais pu capturer lors de l'événement de capture de Firestorm, un bon Battle Royale aux couleurs de Battlefield, on traitera bien sûr de ça dans le futur. En plus de ça, en avril, je vous rappelle que le mode duo arrivera pour le mode Battle Royale, en plus du mode solo et escouade A4 qui sortiront tout simplement au début de la release de Firestorm. Alors ensuite, dans le chapitre 3, on aura une nouvelle map Mercury qui sortira non pas en mars, mais en mai, la map, la fameuse map qui aura lieu en Grèce, qu'on avait eu comme teaser au début de la roadmap. Un petit peu déçu que ça sorte aussi tard. Alors, il faut comprendre, j'imagine, les équipes. J'imagine que Firestorm, c'est un gros morceau sur lequel ils essayent de capitaliser. Du coup, sortir une nouvelle map, peut-être que ça aurait pas été hyper cohérent. Clairement, Firestorm, c'est un énorme morceau, mais le truc, c'est que ça ne plaira pas à tout le monde, le Battle Royale de Battlefield 5, même s'il y a vraiment énormément de l'ambiance Battlefield dans ce BR, c'est pas pour tout le monde. Et clairement, une nouvelle map en mai, ça fait un petit peu loin. Alors, en plus de ça, en avril, on aura des nouvelles missions co-op avec un matchmaking et un mode hardcore. Alors bon, très honnêtement, c'est pas quelque chose que j'attends personnellement et je ne pense pas que vous êtes nombreux à désirer des nouvelles missions en mode coop, mais en tout cas, c'est sur la roadmap. Très honnêtement, limite, il aurait peut-être fallu mettre ça de côté et les rajouter sans prévenir personne, limite à dire qu'il n'y a rien en avril, j'ai un peu l'impression que ça fait office de bouche-trou. Et il y a un nouveau mode qui sortira du coup en juin, qui s'appelle Outpost, on n'a pas plus de détails là-dessus. Le chapitre 4, c'est là où ça devient hyper intéressant. Un nouveau mode 5v5 designé dans des zones spéciales qui sera vraiment concentré sur le combat rapproché, le CQC. Alors, un mode peut-être compétitif, en tout cas je l'espère. On avait eu un premier essai avec le mode conquête en escouade en 8v8 qui était sympathique. Là on a un mode 5v5, donc il change un petit peu la façon dont on va jouer à Battlefield. Je vous rappelle que les escouades sur Battlefield 5 sont composées de 4 joueurs. Là on en aura du coup 5 par équipe. Assez curieux de voir de quoi il s'agira. Très honnêtement, un mode compétitif bien taillé pour Battlefield 5, ça serait vraiment chouette. Alors, à titre personnel, j'aimerais voir un mode compétitif à l'ancienne en 5v5, sans véhicule comme ça avait été fait sur Incursion de Battlefield 1. Je trouve qu'avoir un véhicule dans un mode de jeu 8v8, c'est tout à fait équilibré. Dans un mode 5v5, je suis pas sûr que ça soit hyper cohérent. Du coup, il y aurait 4 infanteries de chaque côté plus un véhicule. Sur Incursion, l'équilibrage était difficile à trouver, même si les idées étaient bonnes. En tout cas, c'est vraiment le gros morceau du chapitre 4 qui commencera en juin, avec plusieurs maps. Sur la petite image promotionnelle de cette roadmap, on y lit New Maps and Mods, donc ça peut être vraiment très sympa. En plus de ça, on aura deux nouvelles maps, dont une intitulée Marita qui se déroulera en Grèce, et une deuxième qui est un secret très bien gardé de la part des équipes de DICE, en tout cas c'est ce qui est écrit sur Reddit. Une map qui devrait ravir les vétérans de Battlefield. Alors est-ce que c'est un petit tease pour nous annoncer la sortie d'un métro ou d'un Fort Devaux sur Battlefield 5? Étant donné que j'ai l'impression que le chapitre 4 tourne vachement autour du CQC, donc des combats rapprochés, on pourrait voir une nouvelle map métro. Alors ce que j'aimerais énormément avoir de pair avec une éventuelle map métro, ça serait de la location de serveur, la possibilité de louer un serveur et de faire un 24/24 métro Battlefield 5. Tout ça, ce ne sont que des spéculations, on n'a pas d'informations sur le RSP d'ailleurs, sur
tous ces chapitres qui sont annoncés. On en aura plus lors de l'EA Play cet été. Et enfin, le chapitre 5 qui est un petit peu teasy et qui devrait arriver au courant de l'automne, c'est un nouveau théâtre de guerre total et l'intitulé de ce chapitre c'est Awakening the Giant. Pour la petite histoire, lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, Isoroku Yamamoto, un amiral japonais, a dit à ses troupes qu'ils avaient réveillé un géant. Peut-être l'arrivée de l'armée américaine sur le jeu et aussi peut-être l'arrivée d'un nouveau théâtre de guerre, le Pacifique, avec des maps qui iraient de pair. Personnellement, j'aimerais beaucoup un full DLC avec 4 maps situées dans le Pacifique. Ça serait vraiment chouette. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. On n'a pas plus d'informations là-dessus, si ce n'est le titre de ce nouveau chapitre. Pour parler un petit peu de cette roadmap, eh bien, je suis plutôt satisfait. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Si la totalité de cette roadmap était sur les 3 prochains mois, du coup, jusqu'en juin, je serais très heureux. Hein. Ça serait vraiment énormément de contenu. Au total, sur la durée mars jusqu'à, je pense, du coup, septembre, voire octobre, on devrait avoir 3 nouvelles maps, le mode Battle Royale et ce mode compétitif 5v5 qui devrait arriver. Alors, on n'a pas plus d'informations sur le mode compétitif, ce qu'il en sera ou non. Ça serait très intéressant de voir clairement un mode compétitif sur Battlefield 5. Personnellement, je suis fan des mécaniques de tir sur ce jeu. J'en parle énormément dans mes vidéos et vous savez que c'est, je pense, un des points forts de ce BF. Et clairement, je serais ravi d'en avoir un sur le jeu. Alors, je vais parler un petit peu de ce que je pense aussi de la temporalité de ces ajouts. Alors, quand on compare au précédent BF, on est très loin de ce qu'on pouvait avoir et je pense que la majorité des joueurs vous le dit. Dirait ce qu'ils veulent sur Battlefield 5. En plus, ce sont des maps, des nouveaux théâtres de guerre, des maps quali. Alors, ils retravaillent les maps, c'est assez intéressant. Personnellement, j'aime plutôt bien jouer Panzerstorm maintenant. Je la trouve assez agréable. Mais le souci, mine de rien, c'est qu'on manque de maps au total sur Battlefield 5. On en a 9. Je pensais qu'on allait avoir une 10e en mars. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi sur le Battle Royale Firestorm. Mais clairement, ça a l'air d'être un excellent mode. Hein. Sur les 3 heures que j'ai pu tester le mode, je me suis pas mal amusé. Est-ce que ça suffira à garder les joueurs présent de mars ou plutôt d'avril jusqu'en mai? Je sais que personnellement je vais apprécier l'expérience, mais c'est pas exactement le multijoueur de Battlefield 5. Je vais clairement jouer au BR, mais moi ce que j'attendais vraiment de ce nouveau contenu, et eh bien c'était des nouvelles maps. Je suis un petit peu déçu parce que le chapitre 3 devait venir du coup avec une nouvelle map située en Grèce. C'est le cas, sauf que le chapitre 3 dure du 28 mars jusqu'en juin, donc environ un peu plus de 3 mois. C'est assez long avec une seule nouvelle map. Entre les deux, on a des missions coop. Alors très honnêtement, je trouve que c'est limite risible. Je pense que le mode coopération n'a pas été énormément joué sur Battlefield 5. Alors j'exclus pas le fait que si ce mode avait été présent dès le début, il aurait peut-être eu un petit peu plus de succès, mais la réalisation de celui-ci laisse vraiment à désirer. Il n'y a pas vraiment de profondeur dans ce mode coop, c'est un petit peu dommage. Peut-être que ça sera corrigé, mais honnêtement, moi quand je lance Battlefield 5, c'est pour fraguer des joueurs, pas pour aller jouer en coop. Et je pense que de base, le mode coop est quand même fait pour être une transition entre le mode solo et le mode multijoueur pour la majorité des joueurs. Pas plus d'informations non plus sur ce fameux mode Outpost qui devrait arriver en juin. Alors il faut regarder aussi un petit peu la temporalité de ces ajouts. Au final, le BR de Battlefield 5 arrive le 25 mars plutôt que début mars, c'est fin mars. Donc on peut s'attendre aussi que ce mode compétitif fasse son apparition durant cet été. Peut-être même à la sortie de l'EA Play, peut-être qu'ils annonceront le nouveau mode compétitif avec peut-être même une compétition directement à l'EA Play. Tout ça, ce ne sont bien sûr que des suppositions. EA sont capables de réaliser ce genre de choses, à voir exactement comment ça va se dérouler. Il y a un autre truc aussi qui n'est pas abordé dans ce roadmap, et bien c'est l'ajout des cosmétiques à acheter directement en jeu. On n'a pas d'informations sur l'ajout de ceci dans Battlefield 5. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pas parce qu'on va vouloir forcément acheter des choses sur Battlefield 5, mais c'est une façon de réinjecter de l'argent dans Battlefield 5. Il faut savoir un truc, c'est que le développement d'un jeu coûte de l'argent, le développement des features qui suivent la sortie d'un jeu coûte aussi de l'argent, et clairement le fait de ne pas
avoir de rentrées d'argent autres que celles de l'achat du jeu, ça risque de coûter cher pour Battlefield 5 sur le long terme. À titre personnel, moi j'ai envie de voir le jeu grandir, grossir, quitte à avoir raté un petit peu sa sortie, le retrouver dans un an et demi avec plein de contenu, plein de mises à jour intéressantes. Mais pour ça, j'imagine bien qu'EA a besoin de faire rentrer de l'argent. Ils n'ont toujours même pas encore décidé de rajouter les cosmétiques en jeu. Alors pourquoi est-ce que c'est une décision marketing pour pas froisser les gens? Peut-être c'est possible, peut-être que ça arrivera avec le Battle Royale. En tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à faire rentrer de l'argent dans les studios de DICE pour continuer de nous offrir du contenu jusqu'à la sortie du prochain BF. J'y crois moi personnellement à une renaissance entre guillemets de ce Battlefield. On n'est pas à l'abri que dans 6 mois on ait peut-être un pack, même un mode free-to-play qui arriverait sur Battlefield 5 qui relancerait un petit peu la machine. Ça serait très osé de la part d'EA, mais en tout cas ça pourrait permettre de récupérer des joueurs et peut-être de se glisser vers ce modèle économique qui semble tant marcher aujourd'hui, à l'instar d'Apex ou d'un Fortnite. En tout cas voilà pour les prochains mois sur Battlefield 5. Lundi on fera la sortie de Firestorm en direct sur twitch.tv/wastedog toute la journée. On jouera au Battle Royale. Je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandits, très curieux de savoir ce que vous pensez de cette roadmap, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.